Salut à tous et à toutes, ici Ranulf sur Gravity Rush 2. Donc la dernière fois on s'est arrêté après d'avoir fait la ville, enfin le cœur de la ville flottante, la ville méchante, pas beau. Oui, du coup on avait revu les créateurs du 1. D'ailleurs, j'ai fait le 1, vous pouvez les voir. Et on se dirige vers la maison. Et on est de retour, bien sûr, à Exville. Comme si vous avez transformé la maison en décharge. C'est comme si vous avez transformé. Bah, à la base, je vois ni Cyanéa ni Gade. Qu'est-ce qui avait pu arriver à la ville? Tellement déçu que je vais faire bien de commencer en recyclant ce journal. Hein? Ce journal parle d'un citoyen de Destria. Quête, la reine de la gravité, alias vaincue, la ville est sauvée. Alias, on dirait que tout s'est passé il y a si longtemps. Hein? L'oracle Pandore. Nous dévoilons la vérité, mademoiselle Aki. Aki, c'est elle que je devrais aller voir. Elle pourra utiliser ses pouvoirs étranges pour me dire ce qu'il se passe. Ouah, c'est crade. Bon ben, on y va. Chapitre 3, ouais, mais bon. Qu'est-ce qui se... What, c'est quoi ça? What? C'est quoi cet bâtiment noir? Est-ce que c'est l'oracle Pandore? Est-ce qu'elle a mis la clé sur la porte quand j'étais parti? Tout semble si différent, comme ces robots qui survolent la ville. Qu'est-il arrivé à Exville? De nouveau seul. Ouais, bah, il y a du chargement, désolé. Voilà. Clé d'information. C'est quoi ce truc? C'est quoi ça? C'est étrange, aïe. Salut! Bon, ça a l'air d'être une sorte de hangar. Bon, sinon, où sont les gens? Voilà, j'allais là-bas. Salut, policier! Pas le temps, hein, genre, ok, d'accord, tour, c'est du petit. D'accord, salut mesdames. Ok. T'as le temps toi avec tes cheveux et tes lunettes? Ouais, bah vas-y, toi t'as pas le temps, mais bon, vas-y. On doutait, toi t'as le temps. Non plus. Ok, toi t'as le temps, non. Ah bah voilà. Excusez-moi, vous pouvez me dire s'il est arrivé quelque chose d'étrange avec Xville. Quoi? On voit une question étrange à poser comme ça du but en blanc. Eh bien, je viens tout juste de rentrer et du coup, j'ai manqué les dernières informations. Ah, c'est bon d'entendre, je suis intéressé aux affaires de la société. La grosse information du moment est de savoir qui va devenir le nouveau maire. Personnellement, je pense que pour gérer notre tout nouveau système de défense... Je ne suis pas bien sûr de bien aussi. Compris, je suis de me renseigner sur ce système de défense et l'armée et l'élection du maire. Voilà tout ce que je voulais entendre. On n'a jamais fini d'apprendre. Ok. Salut! Non, je veux pas. Je ne sais pas ce que je dois faire. Enfin, si, je sais ce que je dois faire, mais par là, qui? Use bâtiment noir. Arrête de bâtiment noir! Ah, il est là! Il est moche, on dirait un gland. Ah, sérieusement, gars?
Voilà, c'est ce que je me dis. Inscription civique? Waouh, si on vous peut parler, bah oui. Veuillez soumettre votre inscription civique. Inscription civique, c'est quoi ça? S'inscrire est un devoir civique. Veuillez vous inscrire dès que vous le pourrez. Je me demande quand est-ce que ce système a été mis en place. Les citoyens non inscrits pourront rencontrer des problèmes. Je parie que cette inscription doit mettre des heures. Je le ferai plus tard, c'est promis. Je répète, les citoyens non inscrits pourront rencontrer des problèmes. D'accord. Salut toi, je sais pas si t'es quelqu'un. Salut le vieux. Ah non, c'est une casquette. T'as pas le temps. Ok, t'as le temps. Ok. Ah, ce que je me disais, ah, c'est un très mignon. J'ai un chien très mignon que tu vois là. Je ne suis pas censé parler aux étrangers. Tu ne sais pas qui je suis. Ta maman, ton parent ne t'ont jamais parlé de la reine de la gravité. Non. Et c'est juste de parler d'elle non plus. On devrait appeler la police. C'est à ton que. Oui, c'est ce que maman nous a dit de faire. Ok, Oscar, je m'en vais. Les enfants du coin sont aussi parlants que leurs parents. Bon. C'est étrange quand même. Toi tu sais quelque chose? Non. Ah bah voilà. Eh, vous savez ce qui est arrivé à la dizaine de bonne aventure qui se trouvait ici? La dizaine de bonne... Ah oui, l'oracle Pandore. C'est bien ça, je cherche à qui s'en occupait. Je crois qu'elle a été expulsée pour que la ville puisse construire son système de défense. Les rumeurs voudraient qu'elle ait gagné beaucoup d'argent avec cette transaction. Elle est sûrement quelque part en train de vivre la belle vie. Enfin, elle vit autre part. Mais où? Je vais voir. Où est-ce que... Où est-ce qu'Aki a bien pu passer? J'ai faim. Je vais chercher un truc à manger. Peut-être que je trouve un truc à grignoter sur les autres de la place. Et voilà, on a l'hôtel de la place. Bonjour, je fais une saucisse. Bon, j'ai l'air d'un. Tout de suite, attention, c'est très chaud. Mieux de toute façon, oh non, pas encore! Oh, c'est une blague, ça fait deux fois là, chaque fois. Eh, je l'ai payé cette saucisse, ce salaud! Le marlac! Eh, viens là, j'ai faim! Voleur de saucisses! C'est pas halal, tu peux pas manger! C'est du poulet en plus, c'est du poulet, tu peux pas manger! T'es un piaf, c'est du cannibalisme! Oui. Je te jure! Oh, moi ça va, je vais la dalle! Allons, s'il te plaît! Eh ben, tu vas mourir en cette saucisse! Enculé, va! Sale piaf! Ah, ouais, d'accord! Ouais! De ses droites, ça j'étais pas prêt.
Ouais. Lorsqu'un individu se fait abattre, Dungeon prend sa place. Est-ce que cette main qui grossit dans le temple personnel se contrôle? Peut-être que si je l'élimine, les autres aussi seront éliminés. Ouais, pas tout à fait. Hein. Salut. Hein? Je suis la gardienne de la ville, Kali Angel. La gardienne? J'ai l'impression de te bavarder, pas de repos pour les braves. Ok. Tu passes un tour, tu sais. Je suis trop fort, simplement, je suis trop fort. Il y a une couleur bizarre, je sais pas si c'est moi ou si... Ouais, tu crois m'avoir maintenant. Ouais. Je vais faire celui-là. Non, je suis tombé. Raté. Encore deux coups, encore un coup. Eh, hey, c'est à moi. Plus tu m'as gêné en plus. Ouais, il reste. Voilà, quel travail d'équipe. Eh bah. Ouais. Et moi je pue, c'est ça. Que ça va devenir un ange, tu me le promets? Mon petit ange, j'adorerais avoir une soeur comme toi. Ouais, je t'aime, Kali.
T'as bougé, oui, j'arrive pas à voir quelle est correctement. Voilà. Hein? Oh. Une minute. Mais c'est toi, quand est-ce que tu es revenu? Il y a tout de suite, il y a pas longtemps. Eh, hey, papa, viens voir ça. Eh, hey, salut, Kat. Oh non, c'est pas eux, c'est pas ces, ces sales gamins là. Oh, Jean. Mais bon, pas besoin de le dire, je sais que j'ai grandi. Ce gamin a grandi à la vitesse de l'éclair en même temps. C'est normal après 3 ans. 3 ans? J'étais revenu seul à Exville depuis les années qui s'étaient écoulées. La ville s'était dotée d'un nouveau système de défense et d'une nouvelle héroïne. Les effets de distorsion temporelle dus à mon voyage interdimensionnel m'ont laissé avec beaucoup de retard à rattraper. Ah! Comment puis-je formuler ça délicatement? Tu n'es plus... J'oublie mes mots en ce moment. Tu n'es plus nécessaire, c'est ce que tu essaies de dire. Oui, exactement. Merci mon garçon. L'esprit de papa est embrouillé en ce moment, sûrement à cause de la boisson. Ça n'a rien à voir avec ça. Attends d'être plus vieux, tu verras. Il n'a pas changé d'un poil. En fait, vous avez l'air... Vous avez des nouvelles de l'oracle Pandore? Ah, cet endroit, ça a déménagé pendant ton absence. J'ai vu la nouvelle boutique près du Pigeon. Pigeon, le quartier festif. Papa connaît cet endroit comme sa poche, il y va tous les jours. Et ça serait possible un peu d'ASP. Tu as l'angle pendu en ce moment. Et toi, tu sens l'alcool en ce moment. Vraiment, mais je suis, j'en ai un but caverne aujourd'hui. Et voilà, qui doit mettre ça hein. Je devrais aller filer voir et voir à qui. Bon, bah c'est sur cette nouvelle qu'on va se laisser. Je vous dis donc au revoir. Merci à tous et à toutes d'avoir regardé. N'hésitez pas à vous abonner. Laissez un pouce bleu si vous avez aimé. Et on se retrouve à la prochaine.